La boule de neige de Nana, je l'avais complètement oubliée. Qu'est-ce qu'elle est belle. Nana disait que sa boule réaliserait tous mes souhaits. Ah, tu parles. C'est pas très efficace jusqu'ici. Ah! Ah! Non mais quel maladroit! Bon à rien, mauvais à tout! Moi qui souhaiterais tant passer un merveilleux Noël au moins une fois dans ma vie! Ah! Oh! Ah! Un Noël éternel! C'est pas le moment de faire l'imbécile. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, Diana? S'il y a bien un moment dans l'année où on peut s'éclater, c'est justement pendant les vacances de Noël, hein, Sœurette? Mon emploi du temps n'est pas de ton avis. 3 heures, trouver Martin, puis retour à la maison. 4 heures, mettre mon pyjama à nounours et faire plein de cookies pour les fêtes. 5 heures, commencer mon lavage de cerveau annuel par une méga dose de film à l'eau de rose. Ah, et ben ça, ça décoiffe. Tu peux me raconter à nouveau le passage du pyjama à nounours? J'en avais la chair de poule. Je rêve ou tu te moques de moi? Tout ce que je veux te dire, c'est qu'en vacances, on est censé s'amuser spontanément, pas sur commande et à heure fixe. Alors balance-moi cet agenda et détends-toi. Balancer mon agenda? Touche à tes doigts. Hein? Sans lui, je suis comme un naufragé sans sa bouée. Oh non, j'espère qu'on ne nous appelle pas pour une mission. Mom nous avait promis une semaine de repos. Si ça se trouve, elle veut juste nous souhaiter un joyeux Noël. Voilà qui bouleverse tout mon programme. Hé, hey, où est Java? Il a dû partir en courant quand il a entendu ton programme de vacances. Martin Mystère, identifié. Diana Lombard, identifié. Salut les potes, joyeux Noël. J'ai toujours adoré le lait de poule. C'est infect, mais qu'est-ce que t'as mis dedans? Ben, comme j'avais plus de poule, j'ai remplacé par un œuf de rhinocéros albinos à trois cornes. Diana, si j'étais toi, je me noterais un petit lavage d'estomac vers 15h dans mon bel agenda magique. Joyeux Noël! Génial ton look, Java, particulièrement la chapka. Encore que je trouve que ça ne fait pas très réveillon comme tenue. Java et moi, on est seuls pour les vacances. Alors on a décidé de partir pêcher sur la glace dans le nord. Oh là là! Sublime, l'arbre de Noël! Je peux y toucher? Ne vous gênez pas, Martin. C'est à présent de la galaxie du Centaure. Comme il est luminescent, on n'a pas besoin de guirlandes. Oh, cool. Qu'est-ce que c'est? Je me suis dit que c'était l'occasion rêvée de vous faire un petit cadeau. Oh, oh, Mom, c'est trop gentil! Oh, oh! Une bague décodeuse à faisceau stroboscopique? Je tenais absolument à vous offrir quelque chose qui vous plaise. Et votre intérêt pour tout ce qui brille et clignote ne m'avait pas échappé. Oh, c'est tout Martin, ça, hein? Rien la nuit. C'est excellent choix, Mom. Hé, arrête ça! À votre tour, agent Lombard. J'espère que votre cadeau vous fera autant plaisir qu'à Martin. Et ben ça alors. C'est intéressant. Qu'est-ce que c'est exactement? Non, mais c'est un presse-papier, le cadeau dont tu rêvais. Martin, ce presse-papier est absolument unique en son genre. Il contient un authentique fragment de tornade que j'ai rapporté de mes vacances dans le Tennessee. Eh bien, c'est une très gentille attention. Merci, merci beaucoup. Et maintenant, si vous le permettez, en route pour les vacances. Pas si vite. Plusieurs automobilistes ont disparu sur la même portion d'une route de montagne dans le New Hampshire. J'aimerais que vous alliez voir de quoi ils retournent. Oh, mais non, nos vacances viennent à peine de commencer. Et puis ces conducteurs ont probablement dû se perdre pendant une tempête de neige. Aucune tempête n'a été signalée sur cette région. Plus vite vous vous y mettrez, plus vite vous serez en vacances, jeunes gens. Billy? Mmh.
d'accord. On va prendre la route panoramique. Je me perds jamais. Tu parles. Grâce à ton sens de l'orientation, nous voilà bel et bien paumés. Allons, dérite-toi un peu. Tu voulais de l'ambiance de Noël. Te voilà servi. Maintenant, sois zen et admire ce paysage féerique. Ce paysage sinistre, tu veux dire. En plus, ton chapeau ridicule me colle la migraine. Bon, alors voyons. Si on retombe sur la nationale dans une demi-heure et qu'on met une heure pour rentrer chez nous, je devrais être à temps à la maison pour décorer le sapin. Oh, mais ça veut dire que je vais louper le festival des chants de Noël à 7h30. Alors là, j'en peux plus. Tu sais que tu commences vraiment à m'énerver avec ton agenda bidon. Ceux qui ont le sens de l'orientation d'un bulot myope et des chapeaux à vomir feraient mieux de se taire, compris? Parfait, puisque c'est comme ça, on finit cette mission et ensuite basta. Tu feras des trucs super cool de ton côté, tandis que du mien, je m'éclaterai comme un fou. En attendant, je te prie de ne plus m'adresser la parole. D'accord, alors écoute-moi bien, car tu n'es pas prêt de m'entendre de si tôt. Aucune idée, mais pour quelqu'un que j'étais censé ne plus entendre, je trouve que tu as la langue drôlement bien pendue. Oh, je te demande pardon, la prochaine fois, je crierai en silence. Hein? Diana, regarde ces empreintes. Ce sont peut-être celles de nos automobilistes disparus. T'as vu comme elles s'arrêtent net? On dirait que le véhicule s'est volatilisé. C'est bon là, hein, au niveau émotion, j'ai assez donné pour aujourd'hui. Pourquoi on n'irait pas les chercher sur la nationale, ces automobiles? Bon d'accord, pour une fois c'est moi qui ai la trouille. Diana? Diana? On a la pétoche, monsieur l'agent spécial. Pourtant, ce n'est que moi, Diana. J'ai pas rêvé. Il y a bien eu un éclair aveuglant, non? Probablement les phares d'une voiture qui venait en sens inverse et qui nous a envoyé valser dans cette congère. Tiens, en parlant de voiture, où est passée la nôtre? Oh! Oublie la voiture, Martin. Regarde ce petit village. S'il avait été sur la carte, je l'aurais vu. Après, on ira finir de décorer notre sapin. Il n'y a plus qu'à accrocher l'étoile tout en haut. Eh ben, on ne peut pas dire qu'il fête Noël à moitié par ici. Effectivement, ce village est une curiosité. Il est d'encore plus mauvais goût que ton chapeau. Enfin, si c'est possible. La déco est un peu chargée, mais c'est plutôt festif. Oh, désolé. Je me présente Clifford. Vous vous êtes égaré? Non. En fait, nous sommes à la recherche de personnes disparues. Vous n'avez rien remarqué de particulier dernièrement? Non, à part qu'il a neigé. Il ne se passe jamais rien d'intéressant ici. C'est une petite ville très tranquille. Maintenant, je vous prie de m'excuser, mais je suis encore en plein préparatif. Si jamais vous cherchez la nationale, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est au bout du chemin après le petit bois. T'as déjà eu la sensation d'être en trop? Très souvent. Mais malheureusement, je suis forcé de rester avec toi. Très drôle. Non, je voulais parler de Clifford. Ce type n'avait qu'une idée en tête. Nous éjecter de ce coin perdu sans faire de vagues. Ouais, c'est vrai. On va rester dans les parages pour vérifier tout ça. Adieu, petite guimauve grillée. Sayonara, délicieux marron chaud. Arrivederci, boule et guirlande. Plutôt bizarroïdes les indigènes du joli petit village. Tu veux parler de leurs vêtements démodés? Non, je veux parler de cette lubie qu'ils ont de faire le tour de l'étang à chaque fois exactement de la même façon. Ils sont encore plus barbants que ton agenda. C'est un petit patelin. Les gens sont coincés dans leur routine, Martin. Passons pour la routine, mais est-ce que tu as remarqué qu'il n'y a pas une seule voiture? Et alors? C'est peut-être une communauté écolo. Ils luttent à leur manière contre le trou de la couche d'ozone. Ah ouais? Et ces traces de pneus, tu les expliques comment? Chronoscale activé. Mode viscoanalyse. Ça va te dire quoi? Que les pneus étaient noirs, tout ronds et en caoutchouc? Résultat de l'analyse. L'échantillon est un composé synthétique plastique fabriqué par l'homme. Waouh! Bon, on laisse tomber les pneus. Cette neige est synthétique. Ouais, je sais, ça file les jetons, hein.
Comment osez-vous nous espionner? Je vous avais pourtant montré la sortie. La dernière fois que j'ai vérifié, on vivait dans un pays libre, Clifford. Alors vous allez faire quoi? Nous accrocher des bouboules sur la tête et nous ligoter avec des guirlandes? Bravo, bien joué, tenez des idées à ce taré, Martin. Mais comment voulais-tu que je devine qu'il n'avait aucun humour? Trouvez-les maintenant. Une idée de ce qui se passe? Non, aucune. Tout ce que je vois, c'est que Clifford a l'air de faire la loi dans cette ville. Il me les faut! Regarde, c'est le chemin dont Clifford nous a parlé. Prenons-le avant qu'il nous ait repérés. Avoir sur le coup du sapin, mais je l'ai vraiment pas vu venir. Oh, ma tête! Qu'est-ce qui s'est passé? Ce dont je me souviens, c'est qu'on s'est retrouvé dans les bras d'un sapin de Noël excessivement amical. Ensuite, ça devient très confus. Mais si tu veux mon avis, Clifford a suivi ton conseil de ligotage. Suite du programme, je suppose. Franchement, si on m'avait dit qu'un jour je me retrouverais avec toi sur un tapis roulant nous emportant vers un mélangeur immense, j'aurais ri. Noix, fruits confits, on va être incorporés dans un cake aux fruits. Je viens de comprendre pourquoi j'ai horreur de ce gâteau. Mon petit doigt me dit qu'on vient de retrouver nos automobilistes. Tout juste. Et tous les indésirables subissent le même sort. Parce que je ne laisserai jamais rien ni personne gâcher mon merveilleux Noël. Jamais. À présent, je vous prie de m'excuser. Je dois aller présider le concours du plus beau sapin. Martin, tout ce qui nous arrive est entièrement ta faute. Ne t'inquiète pas, Diana. On va s'en sortir. Chronoscan activé. Mode cutter laser. Grouille-toi! Mode turbo grappin. Rien de cassé, sœurette. Non, je vais bien. Et tout ça grâce à toi. Bon, filons d'ici avant qu'on se dise quelque chose de gentil qu'on regretterait tous les deux. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Oh, de l'air. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, et où est-ce qu'on est? Deux bonnes questions. Merci de les avoir posées. Malheureusement, je n'ai aucune réponse à vous donner. Ouh. Oh, regardez, une boule à neige. À part qu'il n'y a pas de neige dedans. Tiens, c'est curieux. D'habitude, ces machins-là contiennent des paysages miniatures avec des trucs genre patineurs, maison en pain d'épices, neige en plastique. Attends voir. Mais oui, tu as trouvé! Martin, ne me dis pas qu'on est pris au piège dans une boule à neige. Non, pas dans la boule à neige, mais dans le monde qui s'en est échappé. Un univers où Noël dure éternellement. Et comment une telle chose a-t-elle été possible? Je ne sais pas, mais le Légendex nous mettra sûrement sur une piste. Chronoscan activé. Mode Légendex. Voilà, une légende de la fin du 19e siècle parle d'une boule à neige. Si son détenteur formulait un souhait la veille de Noël, il se trouvait réalisé. Mais le lendemain, jour de Noël, au lever du soleil, l'enchantement devenait définitif. Clifford a dû faire le vœu d'un Noël parfait et nous nous retrouvons coincés avec lui. Il ne nous reste que 5 heures environ pour conjurer le sort. Sinon, nous resterons ici pour toujours. Oh là 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 là, non! Pas question de moisir dans ce trou miteux. Je vais te planter là au milieu de ce cauchemar et retourner à mon cher et doux programme de vacances. Oh là là, elle est colère. Hmm.
Je crois que ça ne mordra pas, ce robot. Poisson pas aimé bruit. Poisson n'aime pas bruit. Tiens, un appel de Martin et Diana. Je me demande ce qu'ils veulent. Allô? Billy, on a besoin d'aide. Nous sommes pris au piège dans un étrange village de Noël. Oh, je t'en prie, Anna. Fais vite. Diana, est-ce que tu me reçois? D'après le GPS de mon ordinateur, ils ne sont pas loin d'ici. Ça va prêt, en route. Rien ne peut venir gâcher la perfection de mon merveilleux Noël. J'avais vu juste Martin. Clifford est le maître de cette ville. Quelque chose me dit qu'il ne veut pas du tout qu'on brise l'enchantement. Je crois qu'il vaudrait mieux filer. On y va. Distrayons nos amis avec une petite chance. Voiture de Martin et Diana. Ils ne doivent plus être bien loin. À présent, donnons-leur le coup de grâce. Oh non, pas le bonhomme de neige. Honnêtement, je ne pensais pas finir mes jours figés comme un fossile. Je n'ai jamais été aussi heureuse de vous voir tous les deux. Oh, même si je suis désolée de vous avoir entraîné là-dedans. Ouais, eh ben pas autant que moi. Billy, attention! Merci. Maintenant, je propose qu'on parte d'ici. Pas facile, nous sommes prisonniers de l'univers maléfique d'une boule à neige. Et le temps file rapidos. Il ne reste qu'une heure avant le lever du soleil. Si d'ici là, on n'a pas trouvé un moyen de partir, on restera bloqué ici pour toujours. S'il y a un trou dans la boule, il faut la réparer pour sortir d'ici. Tu crois que c'est possible? C'était juste une proposition en passant, mais ça vaut le coup d'essayer. Protéger oreille. Super idée, Java. Fais gaffe, Java. Ça devient dur comme du ciment. Quel punch, Java. À présent, essayons de réparer la boule. Tu trouveras peut-être une incantation dans le légendaire. Pas le temps. Pourquoi ne pas se servir du cadeau de Mom? Bonne idée, Martin. Automobiliste! Java attrapé!
ben merci, Java. Grâce à toi, on l'a échappé belle. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne fais plus la tête? Disons que j'avais envie de te remercier et de te souhaiter un joyeux Noël. Oh, ça fait chaud au cœur. À moi aussi, je me souhaite un joyeux Noël. Et le soleil se lève sur le jour de Noël. Java et moi, on va retourner taquiner le poisson. T'es prêt, mon pote? Poisson de Noël? Je vous dépose quelque part, agents spéciaux. Merci, Mom. Mais Diana et moi, on rentre à la maison. Je suis gaga d'impatience à l'idée de toutes les palpitantes surprises qu'elle a planifiées dans son agenda. La seule chose que j'ai planifiée, c'est toi, moi et une semaine de vacances. Alors, c'est parfait. Oui, c'est parfait. Une fois à la maison, Martin et moi, on a décidé de s'occuper chacun de son côté. Pas vrai, Martin? L'absence fortifie l'affection. Et puis, j'ai plein de choses à faire. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait encore ici? On joyeux est en Noël vacances. Joyeux Noël à tous. Oui, passez de joyeuses fêtes. Vous aussi, Clifford.